Bienvenue sur ce guide romancé sur Grand Theft Auto Online. On se retrouve avec Blue et Diva pour une introduction sur comment bien débuter sur GTA Online. Relations entre Diva et Blue sont aussi secrètes que l'agence qu'ils ont fondée ensemble pour lutter contre le crime à travers tous les États-nations. Diva et Blue se connaissent depuis l'enfance. Ils ont fréquenté les mêmes écoles, les mêmes universités, les mêmes corps d'armée. Et ont bénéficié des mêmes formations en situation de combat extrême. Après l'armée, Blue a rejoint la police départementale, puis très vite, le FIB. Diva, elle, a fait carrière dans la mode et le mannequinat. C'est plus tard qu'elle rejoint Blue dans la police et y fait une brève carrière. Après un grave accident, suite à une course-poursuite engagée contre un groupuscule mafieux défiguré, elle subit une chirurgie reconstructive, ainsi qu'une longue série de soins et d'une rééducation intensive. Après cette belle journée ensoleillée, Diva a bien besoin d'une bonne douche. Et si vous vous demandez, comme moi, pourquoi elle prend sa douche avec son bikini, il faut demander au programmeur de ce jeu vidéo. Je n'en ai aucune idée. Et comme vous, je pense. J'aurais aimé et apprécié l'avoir un petit peu plus dénudé. Il est temps à présent de rejoindre les bureaux de la Maze Bank. Dans ce guide, nous traiterons du pack d'entrée dans le monde criminel qui offre les bureaux, le quartier général et le bunker. Nous allons déménager dans le centre financier d'Arcadus.
Ensuite, on rejoindra l'agence des canaux de Vespucci. Puis, pour terminer, on achètera la boîte de nid de Wildwood West, ainsi qu'un atelier de cocaïne et un laboratoire de méta-amphétamine. Il est temps de passer à l'action. Diva va déménager ses bureaux et se rapprocher du centre-ville. Suivez-la pour bien commencer ce jeu en ligne. Mais ne la suivez pas de trop près. Elle est tout de même très dangereuse.